avons un interlocuteur large, un membre engagé dans la vie politique marocaine, un acteur actif de la scène internationale. Je ne vais pas être plus long. Bienvenue, la parole est à vous. Merci. Je veux remercier M. le Président et l'Université internationale de Rabat de m'avoir invité. C'est une université qui a commencé maintenant à donner ses fruits en termes de réputation, également en termes d'attractivité. C'est une université qui est au cœur de débat, donc merci beaucoup. Je vous félicite du bon travail que vous faites, M. le Président, et également le staff de management, le staff pédagogique, mais c'est grâce aux étudiants également, de votre présence, les étudiants, qu'il y a ce réunion de cette université. Donc je vous félicite et je vous souhaite plein succès dans vos travaux et également vos études. Étant universitaire, je ne voudrais pas juste faire une conférence, je voudrais également avoir une interaction avec vous. Donc je vais vous proposer quelques pistes de réflexion par rapport à l'Afrique. L'Afrique est d'actualité maintenant. Elle est d'actualité pas seulement parce qu'il y avait, elle était importante, la visite de Sa Majesté. Sa Majesté a commencé à visiter l'Afrique depuis qu'elle était prince héritier. Il a continué quand il est roi. Donc l'Afrique, elle est très importante. Mais l'Afrique, elle est importante du point de vue géostratégique, du point de vue également relations internationales. Il y a une ruée vers l'Afrique. Vous savez, il avait la première ruée vers l'Afrique au 18e et 19e siècle. Pour ceux qui sont anglophones, on l'appelle the scramble for Africa. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient pour l'Afrique. Mais c'était pour autre chose. C'était pour spolier un peu les richesses de l'Afrique. C'est pour coloniser l'Afrique. C'est pour faire de l'esclavage en Afrique, etc. Mais maintenant, c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle ruée vers l'Afrique. L'Afrique, il a du potentiel très important. C'est un peu de ça que je vais parler, mais je vais également aborder un peu quelle est l'importance de l'Afrique pour le Maroc, pourquoi le Maroc s'intéresse à l'Afrique, quelles sont les donnes géostratégiques, si vous voulez, qui permettent de comprendre l'enracinement du Maroc dans l'Afrique et quelles sont les opportunités qui existent, qui sont des opportunités aussi bien économiques que politiques que géostratégiques pour les pays, notamment le Maroc, mais d'autres pays. Quand on parle de géographie, c'est tout ce qui est démographie, tout ce qui est physique, tout ce qui est frontières, tout ce qui est relations qui existent entre les pays en termes territoriaux, mais également quand on dit politique, c'est également les frontières, c'est également le flux des personnes, c'est également les relations, et économiques, ce sont les intérêts. Tout ça, on le prend en considération quand on met en place une certaine stratégie. Donc, tout dépend, bien sûr, de la situation d'un pays, également de son rôle historique. Ça dépend également de son rôle politique et de son économie. Si vous prenez le Maroc, il est stratégiquement bien situé du fait qu'il est limitrophe, qu'il a des frontières avec l'Europe, très proche, mais il a également des frontières avec l'Afrique subsaharienne, mais il est également deux importants espaces qui sont la Méditerranée et l'Atlantique. Tout ça lui donne une situation politique importante. Quels sont les ressources du Maroc en termes économiques? Il a des ressources qui sont diversifiées, mais il n'est pas, par exemple, il n'a pas le pétrole, il n'a pas le gaz. Donc c'est un fait stratégique qu'il faut prendre en considération. Et quel est le rôle également au niveau mondial? Tout ça nous permet de bâtir une certaine géostratégie, comme on l'a dit. Alors, la géostratégie, elle est importante pour comprendre la relation entre un pays et la région dans laquelle il peut avoir des intérêts territoriaux et des intérêts économiques et des intérêts de sécurité. Et les pays qui sont bien avancés, ce sont les pays qui ont des visions claires par rapport à la géostratégie, qui ont des visions géostratégiques très claires. Alors, je ne vais pas entrer dans la théorie de la géostratégie, ce n'est pas le rôle aujourd'hui, mais je voudrais juste aborder ce sujet-là pour voir quel est l'intérêt que portent différents pays par rapport à l'Afrique, pourquoi l'Afrique, elle est importante. Vous savez, l'Afrique, elle est devenue l'un des moteurs de l'économie mondiale. C'est l'un maintenant. Vous savez, par exemple, en matière première, l'Afrique occupe une place prépondérante. 81% du manganèse, de chrome, de platine, l'or, etc. Même le pétrole, c'est 13% de la production mondiale, elle est basée en Afrique. Donc c'est très important, mais il y a une grande dépendance des matières premières. Pourquoi la dépendance des matières premières, c'est une faiblesse par rapport à l'Afrique? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est une faiblesse? Oui?
Il n'a pas de valeur ajoutée. C'est une économie de rente quand vous avez, quand vous dépendez des matières premières. Et elles peuvent également fluctuer au prix international. Donc il y a une dépendance très importante. Et la première, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée parce que s'il a la transformation de ces matières premières au niveau de l'Afrique, il y aura une valeur ajoutée. Pourquoi on a besoin de la valeur ajoutée? Pourquoi elle est importante? Pourquoi ne pas juste exporter? On exporte le pétrole, les minerais, et ça y est. Pourquoi c'est important d'avoir la valeur ajoutée? On a besoin d'avoir de valeur ajoutée, mais également, quand vous faites des transformations de tout ce que vous avez en tant que matière première, vous ajoutez la valeur. Il y a également l'incapacité de l'Afrique à transformer ses richesses en un véritable levier de développement durable. Comment transformer les richesses en développement durable? Comment on le fait? Quels sont les atouts sur lesquels ils peuvent faire ce genre de choses? Cette richesse-là qui existe, allez-y. Il faut une main-d'œuvre qualifiée. En Afrique, juste 10% de besoins en termes d'ingénieurs agricoles, de personnel médical, qui sont d'origine africaine. Les autres, ils viennent d'ailleurs. Donc, on a besoin de 90% de personnel qualifié. C'est très important pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais également, toutes les matières premières, elles sont exportées à l'international. Il n'y a pas également d'économie de services en Afrique. Quelques pays comme la Tanzanie, comme par exemple la Zambie, comme le Rwanda et comme l'Éthiopie, qui ont investi dans tout ce qui est économie de service. Pourquoi l'économie de service, elle est importante? Pourquoi? C'est l'économie, c'est avec une valeur ajoutée très importante et elle permet également d'employer beaucoup plus de personnes et elle permet à des économies qui sont des économies de rente, qui sont basées sur les matières premières, à diversifier. La diversification pour l'économie africaine, c'est à la base de tout ce qui est service. Quand on dit service, c'est tout ce qui est tourisme, c'est tout ce qui est technologie, c'est tout ce qui est l'offshoring, etc. Ce sont des services très importants dans ce sens-là. Mais on ne l'a pas fait d'une façon durable. On n'a pas pu, en Afrique, développer ces richesses qu'on a en une source de développement qui est durable, qui peut créer de l'emploi et qui peut également protéger ses ressources. Quand on parle de durabilité, on parle de trois choses. C'est qu'il faut protéger les ressources. Deuxièmement, il faut avoir un impact sur les communautés locales. Et troisièmement, il faut préserver le patrimoine et l'écosystème. Ce sont des choses importantes. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a le grand défi qui se pose en Afrique. Mais malgré ça, ça ne veut pas dire que... Vous savez, par exemple, le PIB de l'Afrique, il est encore bas par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et vous voyez que les pays émergents et l'Asie sont... En croissance très importante à partir des années 80 jusqu'à 2018. Vous voyez un peu le. Mais pour l'Afrique, il y a une augmentation, mais c'est une augmentation timide. Mais ce n'est pas juste l'Afrique, c'est le MENA et également les pays de l'Amérique latine. Et donc le PIB, la part dans le PIB mondial, elle est toujours aussi basse, mais il y a des prévisions, il y a des défis que l'Afrique doit relever en matière de ressources humaines, en matière de capital humain, en matière de diversification des ressources, et ceci va lui permettre de gagner peut-être des parts qui sont beaucoup plus importantes. Ce que vous voyez, c'est que c'est les pays émergents qui augmentent leur PIB par rapport à des pays qui descendent. Quels sont les pays qui sont en descente? Ce sont les pays qui sont les plus avancés. C'est l'économie américaine, l'économie japonaise, allemande, etc. Leur contribution, ça ne veut pas dire que leur économie va chuter, mais c'est leur contribution au PIB mondial qui va être réduite parce qu'il y a la montée en puissance des autres pays, notamment l'Asie et notamment les pays du BRIC et les pays émergents. Donc il y a un potentiel en Afrique qui va le faire et on va le regarder après. Alors, l'Afrique également a un potentiel qui est important, c'est la jeunesse de sa population. Donc, moins de 15 ans, c'est ce qui est l'hiver. Donc, tout ce qui est vert là, c'est la population de moins de 15 ans. Ça veut dire que c'est une population qui est jeune et c'est une population... Dans quelques années, il y aura ce qu'on appelle la fenêtre démographique. Vous savez qu'est-ce que c'est que la fenêtre démographique? C'est dans le développement de démographie de certains pays, on arrive à un moment où le pourcentage des personnes qui sont âgées entre 15 et 59 est le plus grand, c'est-à-dire c'est la base du pyramide. Pourquoi c'est important? Pourquoi on l'appelle une fenêtre démographique? Parce que c'est la
Parce que le Maroc, maintenant, il est maintenant rentré dans la fenêtre démographique. On a plus de personnes. La base de la pyramide, c'est entre 15 et 59 ans. Pourquoi c'est une fenêtre? Pourquoi c'est important de parler de cette fenêtre démographique? Oui. Ce sont les personnes qui sont aptes à produire. C'est-à-dire un facteur de productivité important quand on a une grande partie de la population qui est âgée de 15 à 59 ans. Mais c'est également une menace. Pourquoi c'est une menace ? C'est le chômage. Et quand il y a le chômage, il y aura également l'explosion sociale. C'est un peu l'un des indicateurs de l'explosion qu'on a connue en Égypte, qu'on a connue en Tunisie. C'est ce que disait la Banque mondiale. Il l'appelait le youth bulge, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui sont éduqués, mais qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est une fenêtre, c'est une opportunité, mais en même temps une menace. Donc il y a une opportunité très importante en Afrique. C'est également parmi les facteurs qu'il faut compter par rapport à l'avenir de l'Afrique. Alors, les ressources humaines, ils vont passer de 430 millions à presque un milliard en Afrique. Donc il y a... Ce n'est pas une surpopulation, mais également c'est une opportunité très importante. Parce qu'on aura dépassé les problèmes liés au sida, on aura dépassé les problèmes liés à l'espérance de vie en Afrique. Il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus d'éducation et d'urbanisation en Afrique, ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de personnes de longévité. Et il y a également un peu... La fertilité n'est pas encore contrôlée, donc il y a une explosion dans il y aura une explosion dans l'importance démographique de l'Afrique qui est très importante, contrairement à d'autres régions. La région de MENA va se stabiliser, la population va commencer à vieillir à partir de 2030, et également la population, par exemple, au niveau de l'Europe, qui est déjà en train de vieillir, il y aura des ressources importantes qui seront importées d'autres pays. Mais ce qui est très important également au niveau de l'Afrique, on le voit maintenant, c'est une classe moyenne qui est en train d'émerger. La classe moyenne. Pourquoi c'est important de parler des classes moyennes et l'émergence de classes moyennes? Pourquoi c'est important de parler des classes moyennes? Pourquoi les classes moyennes sont importantes pour les économies et pour les pays, pour le développement? Ou elles ne le sont pas? Allez-y, mademoiselle. Pardon? Les impôts, ils payent plus les impôts, oui. Ce sont ceux qui consomment le plus. Quand il y a une classe moyenne, elle consomme plus, elle est beaucoup plus engagée dans tout ce qui est économie de loisirs, mais elle peut permettre une stabilité. Quand tu as une classe moyenne qui est beaucoup plus grande, qui est la majorité, elle permet une stabilité économique et une stabilité politique également. C'est ce que se fait au niveau de l'Afrique. Pourquoi il y a une classe moyenne? La première des choses, parce que les matières premières de l'exportation ont explosé, donc les gouvernements ont beaucoup plus de moyens d'investir dans l'éducation, d'investir dans tout ce qui est infrastructure. La première des choses, l'urbanisation. Ça, ce sont des facteurs qui encouragent l'émergence d'une classe moyenne. La deuxième des choses, qu'il y a beaucoup plus de transferts de devises de la part des immigrés africains à l'extérieur, donc il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat chez les Africains. Et la troisième des choses, c'est que les aliments, tout ce qui est nourriture au niveau mondial, a baissé, ce qui a permis beaucoup plus de consommation. Donc c'est ça qui a un peu poussé les trois facteurs de la croissance en 2012, 2013 et 2014 en Afrique, a été permis par trois facteurs qui sont les transferts, la capacité du gouvernement à investir dans l'infrastructure qui est beaucoup plus, qui a même de faire émerger les classes moyennes. Et la troisième des choses, c'est que les prix, surtout les prix de nourriture de base, ont chuté et ça a permis beaucoup plus de consommation. Donc il y a une émergence de classes moyennes. Quand il y a une émergence de classes moyennes, ça veut dire que ces pays deviennent consommateurs, ces pays deviennent également beaucoup plus producteurs de voyages, de tourisme, de services et de besoins. Et tous ces besoins-là, ça devient un marché important. C'est pour cela qu'il y a cet engouement de la part de tout le monde par rapport à l'Afrique également. Ce n'est pas juste un réservoir de minerais à l'international, c'est un réservoir de capital humain également, possible, un potentiel. Et la troisième des choses, c'est un marché important, consommation, parce qu'il y a la classe moyenne qui est en train de se démarcher. Un autre facteur que je n'ai pas mentionné, c'est le flux des capitaux. Quand vous avez le flux des capitaux, il est important également pour la croissance. Pourquoi vous croyez qu'il y a un flux de capitaux pour l'Afrique? Pourquoi? Pour quelles raisons?
les matières premières, surtout le gaz, le pétrole et les minerais. L'Afrique a exporté depuis 2007 jusqu'à 2013 400 milliards de dollars. 300 milliards de ces dollars exportés sont dans les matières premières qui sont le gaz et le pétrole. Également parce qu'on a trouvé des grands champs de gaz et de pétrole au niveau de l'Angola, au niveau de la Zambie, également au niveau du Nigeria. Le Nigeria est déjà un producteur de pétrole, mais il y a beaucoup plus de champs de pétrole. Et donc c'est pour cela qu'il y a un intérêt important. Il y a les flux de capitaux qui sont importants, qui viennent en Afrique. Et c'est également l'un des facteurs de la croissance en Afrique. L'Afrique, malgré ce flux de capitaux qui est important, il y a également une sortie de capitaux qui se fait chaque année, et c'est parmi un peu les défaits qui se font en Afrique. Donc malgré le fait qu'il y ait un engouement de la part des grandes puissances, surtout la Chine, l'Inde, les États-Unis, la France et d'autres pays pour l'Afrique en termes d'investissement, il y a également une sortie de capitaux très importante. Et vous voyez que quelque chose comme $1,4 milliard de dollars sont sortis depuis 1980 jusqu'à 2009. Mais avec la stabilisation politique, avec beaucoup plus de démocratisation, avec l'amélioration de gouvernance au niveau de pas mal de pays de l'Afrique, par exemple le Botswana, c'est un exemple important en termes de gouvernance. Il y a d'autres pays qui ont stabilisé et sont passés maintenant à beaucoup plus de gouvernance bien éclairée, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme la Zambie, comme la Tanzanie. Donc tous ces pays-là, je crois, on remarque une transformation importante en matière de stabilité politique, en matière de stabilité macroéconomique. On va voir que l'inflation, elle est en train d'être réduite. Et également en matière de gouvernance, il y a une meilleure gouvernance au niveau C'est pour cela qu'il y a peut-être maintenant une certaine stagnation, mais même une réduction des flux de capitaux ou des flux de l'argent, des flux de fonds à partir de l'Afrique. C'est très important. Il y a un deuxième défi qui est très important. C'est qu'il y a bien sûr l'investissement, il y a également l'aide internationale, mais la capacité d'absorption de cette aide, elle est très limitée chez pas mal de pays africains. Par exemple, quand on a travaillé au niveau de la Sierra Leone et également Liberia, même d'autres pays, ce qu'on a remarqué, il y a un flux de capitaux importants, il y a un flux d'aide de la part de l'USAID, de la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds, mais la capacité du gouvernement à absorber, à utiliser ces fonds, elle était très limitée. C'est pour cela que ça encourage un peu le flux des capitaux à l'extérieur. Ce qui est important maintenant pour l'Afrique, et c'est pour cela que les Marocains étaient très présents lors de la visite de Sa Majesté en termes d'acteurs publics, c'est pour renforcer la capacité de l'administration dans les pays qu'on a visités, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Gabon, à mieux gérer. Quand on gère mieux, quand on sait bien administrer, on peut également utiliser mieux l'argent, parce que c'est une faiblesse qui existe même chez des pays qui sont un peu plus avancés, comme le Maroc. Le Maroc reçoit, par exemple, de l'Union européenne quelque chose comme 250 millions de dollars, d'euros. Il y a des fois, on passe l'année, on ne peut pas consommer. Donc, il y a également une capacité d'absorption qui doit être la même au niveau du Maroc. Mais en pays de l'Afrique subsaharienne, c'est une capacité très importante. L'autre chose, par rapport aux fuites, il y a également une fuite de cerveau qui est très importante au niveau de l'Afrique. L'équivalent de 20 000 professionnels chaque année fuient l'Afrique. Et donc, il y a un manque à gagner très important. Ça existe au Maroc, ça existe dans d'autres pays, mais en Afrique, elle est très importante. Il y a une fuite de capitaux qui est équivalente au PIB. Il y a une fuite également de presque 20 000 professionnels importants dont l'Afrique a besoin. Donc, l'un des défis, ce sont deux défis très importants que l'Afrique doit relever. Et c'est parmi également les pistes que doivent relever des pays comme le Maroc, comme la France, comme les États-Unis et la Chine par rapport à ce phénomène-là. Alors, il y a des enjeux sécuritaires également qui sont importants. J'ai parlé des enjeux qui sont économiques et de développement dans l'Afrique, mais il y a également des enjeux qui sont sécuritaires et qui sont très importants. Le Maroc est très concerné par ces enjeux sécuritaires, surtout avec le Sahara, qui est ce grand no man's land, très important, et où il y a une voie de commerce traditionnelle, mais il y a également une prolifération de flux migratoires
mais qui sont accompagnés également de flux de narcotrafic, de trafic des êtres humains, que ce soit de l'Afrique subsaharienne vers le nord ou que ce soit également de l'Amérique latine via le golfe de Guinée et vers l'Afrique du Nord et également vers l'Europe. Donc c'est une zone qui échappe au contrôle régulier des États riverains parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire ce genre de contrôle. Donc c'est un handicap important, mais c'est un défi stratégique et géostratégique qui se pose d'une façon très importante pour l'Afrique, pour également les pays du Sahel et du Sahara et pour des pays comme le Maroc. Alors, quels sont les facteurs qui ont mené à ce genre de problèmes qui existent, de problèmes de sécurité et de déstabilisation qui existent dans le Sahara et le Sahel? Bon, il y a des problèmes qui sont liés à la gouvernance dans quelques États, et ce sont des problèmes de gouvernance politique, il y a des problèmes de dissidence, il y a des problèmes également qui sont liés à la répartition. Vous savez, avec beaucoup de problèmes de sécheresse et de problèmes de rareté des ressources dans les pays sahéliens, il y avait également un problème de répartition de ces ressources. C'est pour cela que des groupes, que ce soit des groupes ethniques ou des groupes géographiques, ont monté en puissance et ils ont trouvé les armes, ils ont trouvé également la possibilité de contester le pouvoir central parce qu'il y a ce problème de rareté de ressources, il y a un problème de désœuvrement, désenchantement, il y a un problème de sécheresse, etc. Et ils ont poussé à la dissidence et également à pas mal de groupes qui se prennent en charge, mais ça veut dire également que l'État commence à être défaillant par rapport à beaucoup d'États dans le Sahel. Il y a également la pression démographique qui est très importante. Une pression démographique, c'est un peu le paradoxe malthusien, une pression démographique qui monte, mais également des ressources qui sont un peu stables, mais des fois elles sont réduites, et la plupart des fois sont réduites. Vous savez, par exemple, l'agriculture au niveau du Mali, du Niger, de Tchad, etc. Elle était beaucoup plus importante avant, mais avec la sécheresse des années 70 et des années 80, donc même les ressources se sont raréfiées, mais avec une démographie qui est galopante. Donc ce paradoxe-là a fait qu'il y a des problèmes importants liés à la pression démographique, et il y a les ingérences étrangères. La présence de l'ACMI, il y a les États qui peuvent utiliser également qui ont des visées importante au niveau des États riverains. Il y a également l'éclatement de la Libye et tous les problèmes des armes qui se sont retrouvés au niveau du Niger et au niveau de Tchad. Et il y a également la menace terroriste qui est là. La menace terroriste, que ce soit au niveau du sud algérien ou la présence d'ACMI. Vous savez, quand ACMI, l'Al-Qaïda, a été chassé de l'Afghanistan et également du Yémen, c'est au niveau du Sahara qui est un grand espace qu'il ait eu refuge. Donc c'est un refuge naturel parce que c'est un espace très étendu qui n'est pas bien contrôlé, donc il y a une menace terroriste et qui s'est bien sûr un peu nourri des problèmes qui existaient au sud de l'Algérie, à la région de Gao au niveau de Mali, les problèmes limitrophes au niveau de Naïma à l'est de la Mauritanie, le nord du Burkina Faso, le nord du Nigeria. Tout ça, ce sont des poches d'instabilité importantes et qui ont permis à des groupes salafistes, à des groupes djihadistes, à des groupes ACMI, à des groupes qui étaient dans le giron de toute la nébuleuse terroriste au niveau de l'Algérie, de s'organiser pour également faire une menace. Et bon, l'exemple du Mali, il est très important dans ce sens-là. Et le narcotrafic. Le narcotrafic, avec la guerre sur les narcotrafiquants qui a été menée par les États-Unis depuis les années 80, il y a eu deux phénomènes qui se sont développés. C'est pas les narcos ne viennent pas de la Colombie directement aux États-Unis, ils passent par le Mexique. Donc c'est ça le développement des grands cartels au niveau du Mexique. Mais il y a également une autre route qui a été empruntée, c'est à partir de l'Amérique latine vers le golfe de Guinée. Et puis à partir du golfe de Guinée, ça passe par des pays comme du Sahel, pour aller vers l'Amérique, vers l'Afrique du Nord et aller vers l'Europe. Donc c'est très important et c'est une menace très importante. Donc tout ça a fait qu'il y a des actions coordonnées qui ont influencé la géostratégie au niveau de l'Afrique, et c'est pour cela qu'il y a des visées, il y a également des objectifs géostratégiques à ce niveau-là. Alors, quels sont les États qui sont intéressés par l'Afrique? La France en premier lieu, mais il y avait
il y a une présence militaire de la France qui est très importante dans pas mal de pays, et il y a également une situation qui est inconfortable de la part de l'Europe à son passé colonial, qui a fait que les relations ne sont pas toujours pas tendues avec l'Afrique. Mais la France, elle est très présente au niveau de l'Afrique. Pour la France, l'Afrique, elle est très importante comme un espace géostratégique important, comme source également de pas mal de flux commerciaux, comme source de matières premières et comme source de sécurité par rapport à la France. Vous savez, l'immigration, la France, elle est très concernée par ce genre de choses. Les États-Unis, c'est une puissance importante, et pour elle, c'est dans toute la guerre contre le terrorisme qu'il y a un intérêt pour l'Afrique, et parce que pour les États-Unis, il y a deux ou trois choses qu'il faut faire. Premièrement, c'est contrer la présence d'Al-Qaïda dans le Sahel et le Sahara, et la deuxième des choses, c'est permettre un développement économique et de droits de l'homme et démocratique en Afrique pour contrer, si vous voulez, ce sont les facteurs qui poussent vers le terrorisme et les facteurs qui attirent vers le terrorisme sur lesquels les États-Unis se basent. Mais il y a également l'Union européenne, avec toute l'action de l'Union européenne de lutte contre la pauvreté, mais c'est une aide financière très importante d'un demi-milliard d'euros. Mais le plus important dans les intérêts, c'est celui de la Chine. Je ne l'ai pas mentionné ici. C'est celui de la Chine, et de la Chine, il est très important, parce que c'est une approche beaucoup plus pragmatique. Elle n'est pas intéressée par la question des droits de l'homme, elle n'est pas intéressée par la question de la démocratie, elle est beaucoup plus intéressée par les questions de liens économiques avec l'Afrique. Depuis 1955, la Chine a commencé à s'intéresser à l'Afrique. Depuis la conférence de Bandung par rapport aux non-alignés, la Chine a commencé à s'intéresser. Mais c'est dans les années qui se sont passées, dans les 10 dernières années, la Chine est devenue très, très, très présente en Afrique. Le Maroc, il y a des enjeux sécuritaires pour le Maroc qui sont très importants. Et le Maroc, il est très, très impliqué dans tout le travail qui se fait au niveau du Sahel et au niveau du Sahara, malgré le fait qu'il y a une petite jalousie qui existe entre le Maroc et bien sûr l'Algérie. Quand il y a des travaux de coordination en Algérie, le Maroc n'est pas impliqué, alors que le Maroc implique l'Algérie dans tout ce qui est travail, pour des raisons qui sont liées au Sahara occidental. Si vous voulez qu'on aille un peu dans les détails dans ce sens-là, on peut y aller. Donc il y a un enjeu important dans ce sens-là. Mais il y a également l'intégration importante du Maroc dans l'Afrique. Le Maroc a œuvré pendant pas mal de temps pour créer une intégration au niveau du Maghreb. Malheureusement, pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver très bientôt, et c'est pour cela que le Maroc se dirige vers beaucoup plus d'intégration au niveau de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, elle est importante pour le Maroc. Et puis, plus d'intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup plus de flux commerciaux, beaucoup plus de relations bilatérales, beaucoup plus d'investissements de la part du public, beaucoup plus d'investissements de la part du privé. Donc, c'est important, cette intégration économique. Mais ce n'est pas juste pour des raisons économiques que le Maroc le fait. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons d'investissement. L'avenir du Maroc, c'est l'Afrique en matière de développement économique. Nous sommes dépendants également. De quelle région nous sommes dépendants? Nous dépendons, par rapport du point de vue économique et commercial, nous dépendons de quelle région? De l'Europe, à 70%. Donc quand il y a un problème dans l'Europe comme maintenant, on souffre. Par exemple, je vais vous donner juste dans le cadre du tourisme. Maintenant, on reçoit beaucoup plus de touristes européens au Maroc, mais avec un pouvoir d'achat qui est effrité. Donc la croissance en termes de touristes, elle monte, mais en termes de recettes, elle stagne ou elle descend. Donc, il y a une décorrélation qui existe maintenant entre l'arrivée des touristes de l'Europe et la question des recettes. Si on avait investi dans le marché, par exemple, russe, le marché brésilien, le marché chinois, beaucoup plus dans le marché arabe, il y a longtemps, et on a bâti, si vous voulez, ces marchés d'une façon beaucoup plus efficace, on n'aura pas cette dépendance vis-à-vis de l'Europe. Mais ce n'est pas juste le tourisme, c'est dans l'exportation agricole, c'est dans tous les liens économiques qu'on a, ils sont avec l'Europe. C'est pour cela que maintenant, l'ère de la diversification, avec la montée en puissance de l'Afrique, avec l'intérêt de l'Afrique, l'Afrique, elle est importante économiquement pour le Maroc, mais elle est importante également du point de vue sécuritaire. Elle est également importante
du point de vue question sensible pour le Maroc, qui est la question du Sahara marocain, et il est également des questions d'enjeux, si vous voulez, géostratégiques et d'enjeux géopolitiques. Alors, pour nous, les avantages qu'a le Maroc, c'est que le Maroc a des relations qui sont culturelles et historiques avec l'Afrique depuis le Moyen-Âge. Vous savez que le Maroc, à un moment, contrôlait des parties je ne sais pas si vous vous rappelez, des empires de Gao, des empires de Songhai. C'est au temps des Saadiens, le Maroc contrôlait jusqu'au Ghana. Donc il y avait un contrôle, mais il y a également le flux. Vous savez, le Maroc, la seule porte commerciale qui existait depuis le 8e siècle jusqu'au 16e et 17e siècle, c'était avec le Sahara. Donc c'est avec le Sahara, ce qu'on appelait le Soudan, et c'est le Soudan de l'Ouest, ce qu'on voulait dire. Donc c'est toute l'Afrique de l'Ouest avec qui on avait des relations commerciales très privilégiées et très répandues depuis le temps. Donc ce sont des relations importantes, culturelles, mais il y a des relations également qui sont religieuses, importantes, avec l'influence du Maroc, avec l'influence du rôle du commandant des croyants. Moi, j'étais dans la tournée royale en Afrique et je voyais un peu l'intérêt et la popularité de Sa Majesté avec les Guinéens, les Ivoiriens, les Gabonais, les Maliens. Pas mal qui le considèrent comme commandant des croyants également. Et donc, il y a une importance religieuse du roi du Maroc, mais il y a également une importance du secte de la Tijaniya qui viennent au Maroc pour le pèlerinage, qui sont un secte bien répandu au niveau du Sénégal, du Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie et Tchad. Donc, tout ça, c'est important, mais également, le Maroc a su investir en Afrique depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est pour cela que les banques marocaines sont très puissantes au niveau de l'Afrique, que ce soit en francophone ou anglophone, mais beaucoup plus francophone. L'ARAM, elle contrôle le ciel de l'Afrique de l'Ouest, elle dessert quelque chose comme 25 aéroports. Les assurances marocaines existent dans une vingtaine de pays. Le dernier, c'est l'Angola, qui est un pays lusophone. Les télécoms, il y a une importance très signifiante de la part de Maroc Télécom, qui est dans le tour de table de Télécom de Gabon, de Mali, Air Mauritel. Tout c'est très important dans tout ce qui est Télécom. Les groupes privés, par exemple, tout ce qui est cimenterie et immobilier, les groupes marocains sont très présents et très puissants. Le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique après l'Afrique du Sud, très important. Et l'avenir, je crois, va démontrer. C'est pour cela que ce qui est important maintenant, c'est d'aller moins vers les grands groupes pour s'investir en Afrique, mais aller vers les petites entreprises, les moyennes entreprises, les jeunes qui peuvent également aller vers l'Afrique. C'est de l'emploi pour l'Afrique, c'est de la valeur ajoutée pour l'Afrique, c'est du transfert du savoir pour l'Afrique, mais également ce sont des opportunités d'investissement pour les Marocains et pour le Maroc. Donc c'est très important, c'est win-win, et c'est pour cela que c'est important, et Sa Majesté l'a souligné, mais également toute la délégation marocaine l'a souligné, on va faire du travail de développement avec les Africains, c'est pas pour les Africains. Nous n'allons pas faire des développements clés en main qu'on met à la disposition des Africains, mais c'est du travail qu'on va faire avec les Africains. Comme ça, on assure un transfert de technologie, un transfert de capital et également un partage de richesses et création de valeurs partagées pour une meilleure intégration au niveau de l'Afrique. Alors, je ne vais pas vous donner l'importance que révèle l'Afrique par rapport à des pays, parce que j'en ai parlé, mais ce qui est important, voilà un peu la présence, si vous voulez voir la présence des entreprises marocaines au niveau de l'Afrique, que ce soit Tijani Wafa Bank, l'ARAM, l'OCP. Vous savez que l'ARAM, elle dessert toutes les destinations, presque toutes en Afrique de l'Ouest, également Afrique anglophone, et il y a le transfert, il y a pas mal d'Africains qui viennent au Maroc. Malheureusement, au niveau du tourisme, on ne capitalise pas sur ça, c'est ça un peu le défi qu'on doit relever. Il y a beaucoup d'Africains qui passent par notre aéroport de Casablanca, des dizaines de milliers. Malheureusement, on n'a pas encore bien capitalisé sur ça pour offrir des packages, pour organiser des voyages, etc. Les Africains s'intéressent beaucoup plus à Fès parce que c'est Tijaniya, ils s'intéressent à tout ce qui est shopping, ils s'intéressent à tout ce qui est culturel, et c'est là où il faut faire ce genre de travail par rapport à l'Afrique. Alors,
Il y a une chose qu'a dit Sa Majesté dans un discours qui était visionnaire à Abidjan. Il a dit « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. » Je crois l'avenir, c'est pour des pays, peut-être pour comme le Maroc, qui vont en Afrique, c'est pas pour juste l'aide ou pour l'investissement, mais c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le Maroc est le deuxième principal investisseur en Afrique, après l'Afrique du Sud. Ne pensez-vous pas qu'il y a une rivalité entre ces deux nations? Et s'il y en a une, que pensez-vous de l'avenir entre ces deux nations pour leur course à l'investissement africain? Je crois que l'Afrique du Sud, elle est beaucoup plus ancrée dans l'Afrique du Sud, avec un peu l'Afrique anglophone. C'est le Botswana, c'est le Zimbabwe, c'est le Mozambique, c'est l'Angola. Il y a une certaine rivalité qui existe entre l'Angola et l'Afrique du Sud également, parce que les montées en puissance de l'Angola, c'est un géant qui est en train de se construire avec une production de 100 millions de barils jour, et peut-être en 2016, ils vont arriver à 200 millions. Est-ce que je suis en train de dire le bon chiffre? Je vais me rappeler du chiffre, mais c'est très important. Ils vont dépasser le Nigeria comme le premier producteur de pétrole en 2016. Ça veut dire que c'est la montée en puissance d'un géant économique au niveau de l'Angola. Si vous visitez, par exemple, Luanda, vous trouverez qu'un sandwich, si vous le mangez dans un hôtel, ça va vous coûter quelque chose comme 1000 dirhams dans les hôtels de Luanda. Avec, bien sûr, la pauvreté qui existe toujours, avec les bidonvilles qui existent toujours, mais c'est... Il y a une inflation importante à cause de l'existence du pétrole. Mais je ne crois pas qu'il y ait un pays qui peut concurrencer, au niveau de l'Afrique, qui peut concurrencer le Maroc au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la première des choses. Et il n'y a pas un pays qui peut concurrencer l'Afrique du Sud par rapport aux pays anglophones et par rapport aux pays qui sont limitrophes, dont l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Madagascar, etc. Donc il y a une influence importante. Donc je crois que le Maroc et l'Afrique du Sud peuvent être beaucoup plus complémentaires. Là où il y a peut-être une concurrence, c'est entre le Maroc et l'Algérie, mais la concurrence, elle est beaucoup plus d'ordre géostratégique qu'économique, elle est d'ordre géopolitique. Et la différence, c'est que l'État algérien investit en Afrique en tant qu'État. Le Maroc, c'est aussi bien les entreprises publiques que les entreprises privées, avec bien sûr ces liens historiques et culturels qui existent entre le Maroc et l'Afrique. Je me demande si le gouvernement marocain se mobilise déjà pour mettre en place les mécanismes nécessaires pour atteindre ses objectifs d'ouverture sur l'Afrique, tout en gardant à l'esprit les enjeux diplomatiques et politiques qui sont attendus de cette ouverture. Et puis, quelles sont les orientations entreprises par votre ministère afin de permettre un échange d'expériences entre notre pays et les pays d'Afrique subsaharienne? Merci. Alors, pour ce qui est de la promotion, tout ce qui est transfert d'expérience, il y a des expériences qui ont été faites dans le passé. C'est-à-dire, par exemple, dans les différents ministères, il y a bien sûr la formation des cadres des différents ministères des pays africains. Il y a également pas mal d'étudiants africains qui sont au Maroc, où il y a des bourses. On est en train d'augmenter ce genre de bourses, au moins par exemple pour le tourisme, mais tous les autres ministères sont intéressés par l'augmentation. Mais je crois qu'on doit aller à une étape supérieure qui est très importante, c'est tout ce qui est joint ventures, où il y aura également le transfert de capital, le transfert de savoir-faire et également un accompagnement de ce genre de transfert. Je crois que là, c'est l'avenir. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle un partenariat triangulaire. Il y a pas mal de pays européens qui sont intéressés par l'Afrique, mais ils ne savent pas comment le faire. C'est à travers le Maroc, à travers un partenariat triangulaire. Les ressources humaines au niveau du Maroc et de l'Afrique, un capital partagé entre les Marocains et les Européens, mais également le know-how, le savoir-faire qui est très important. Mais je crois que c'est là le nerf de la guerre par rapport au développement de l'Afrique. Pour un développement durable au niveau de l'Afrique, il faut assurer un transfert de savoir-faire important, une formation du capital humain très importante, le besoin en matière de capital. Il y a une expérience
de la Banque mondiale, qui a créé des centres d'excellence dans pas mal d'universités au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et ce sont des universités où il y a beaucoup plus l'accent est mis sur l'éducation et la formation de capital humain pour le besoin de l'entreprise et l'économie africaine. C'est très important de faire ce genre de choses. Et je crois que des pays comme le Maroc peuvent aller dans ce sens également. Je tiens à vous remercier au nom des étudiants de classe préparatoire commerciale pour votre présence et pour votre riche intervention. On est tous témoins des efforts fournis par Sa Majesté afin d'améliorer et récupérer la position de force que le Maroc possédait au niveau d'Afrique à travers l'investissement et inviter d'autres pays pour y investir, en considérant ce continent comme un marché fertile qu'il faut exploiter. Tout cela nous pousse à admettre le changement positif, le changement économique positif connu par notre pays. Mais la question qui s'impose, c'est: est-ce que le fait de considérer le Maroc comme un gendarme qui protégera l'Europe de l'immigration clandestine africaine pourra influencer la dimension stratégique marocaine? Merci. Je crois qu'il faut investir. Je crois que l'Europe ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait juste un travail de sécurité et un travail de vigilance par rapport aux frontières. On ne peut pas approcher le phénomène de l'immigration à travers une Europe forteresse qui est bien gardée. Il faut l'approcher d'une façon beaucoup plus intégrée dans le développement. Et je crois que c'est l'investissement en Afrique, le développement et également la création d'opportunités qui est très importante pour lutter contre la question de... Donc il y a un travail de sécurité qui doit être fait. Il est important, il faut continuer à le faire, mais il faut également travailler sur toute la question de développement. Mais le Maroc n'est pas juste un pays de transit, c'est ce qu'on croyait depuis longtemps. Le Maroc est devenu également un pays d'accueil. C'est pour cela qu'il a l'initiative de Sa Majesté à également approcher la question de l'immigration comme une question marocaine. C'est pas juste une question entre l'Afrique et l'Europe, et on est pris entre les deux. C'est également une question du Maroc. Le Maroc offre une opportunité pour pas mal d'Africains qui viennent au Maroc, et donc il y a un travail qui doit être fait en matière de légalisation, en matière d'approche beaucoup plus raisonnée de la question de l'immigration. Vous avez parlé de coopération entre le Maroc et l'Afrique, mais notamment avec les pays d'Afrique de l'Ouest, une coopération justifiée par un fort ancrage historique et une proximité géographique. Mais qu'en est-il des autres régions d'Afrique, notamment les pays d'Afrique anglophone? Existe-t-il une stratégie pour la création de synergies avec ces pays? Je pense notamment au Kenya, l'Afrique du Sud, au Nigeria, une stratégie pour la création de synergies justifiée notamment pour la défense du dossier du Sahara. Vu l'histoire, vu la culture, vu également la proximité, la langue, etc. Donc c'est un allié beaucoup plus naturel, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par des pays comme le Nigeria, par exemple, malgré les différends qui existent en matière de la question du Sahara marocain. Il y a un problème qui se pose, mais il y a un intérêt important de la part du Maroc au Nigeria. Nigeria, c'est un pays qui est important, une économie, c'est la deuxième économie de l'Afrique, et également, il y a des musulmans au Nigeria, il y a un intérêt, et c'est proche du Maroc, donc il y a cet intérêt. Avec le Kenya, il y a beaucoup plus de relations, beaucoup plus cordiales et beaucoup plus développées. Malheureusement, avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique du Sud, les relations depuis la reconnaissance de la race par l'Afrique du Sud n'ont pas été au beau fixe, mais je crois qu'il y a tout un travail qu'il faut faire au niveau de l'Afrique anglophone. Mais il faut dire qu'il faut être pragmatique dans ses visées, il faut également être très pragmatique de ce qu'on peut faire. Le Maroc n'est pas une grande économie, nous n'avons pas des financements très importants, nous ne pouvons pas être dans l'Afrique tout entière. Donc c'est pour cela qu'il faut être là où on peut être beaucoup plus efficace, on peut donner des résultats plus rapidement. Mais je crois à moyen terme, il y a un intérêt par rapport à l'Afrique. Pour moi, au niveau du tourisme, il y a un intérêt très important pour le Kenya. Il y en a un intérêt par rapport au Nigeria, c'est un marché important avec une classe moyenne qui est en train d'émerger. Il y a également le flux aérien. Chaque jour, il y a des vols sur Lagos à partir de Casablanca. Donc c'est un marché important sur lequel je veux travailler. C'est un marché qui peut être important pour le tourisme marocain. J'aimerais savoir dans quelle mesure et dans quelles circonstances peut-on retrouver le Maroc en tant que membre de l'Union africaine, sachant que le Maroc, ces dernières années, se tourne
En 84, en admettant, comme membre de l'unité africaine, d'un État qui n'existe pas, un État qui est fantomatique, un État qui n'a pas, qui n'existe pas. Alors, le fait que ça a été admis, et puis c'est un État qui a divisé sur l'intégrité territoriale du Maroc, le Maroc avait pris la décision de sortir de l'OEA. Donc maintenant, s'il y a des pays, il y a pas mal de pays qui s'intéressent et qui disent que le Maroc doit réintégrer l'Union africaine, d'autant plus qu'il était parmi les fondateurs, alors il faut revenir à la situation que seuls les États qui existent, en fait, soient membres de ce... Donc il faut revenir à la situation avant 1984 pour que le Maroc revienne à... Mais le Maroc s'intéresse. Le Maroc, quand il y a des réunions au niveau du sommet, au niveau des... Le Maroc, il est là, il y a des discussions bilatérales, il y a du travail qu'on fait avec le... Donc, on soutient l'Union africaine, il est important, c'est une organisation importante, mais je crois qu'il faut corriger une aberration qui est le fait qu'un État ait été admis dans des conditions que nous n'acceptons pas. Une fois ces conditions n'existent plus, je crois que le Maroc peut retourner à l'Union africaine. Pensez-vous, en quelques mots, nous dire comment le ministère dont vous êtes chargé participe à cette œuvre ? Et qu'en est-il du tourisme interne ? Une autre question, si vous permettez. Vous avez cité à un moment donné l'immigration des cerveaux. J'aimerais connaître quelles sont les démarches que le Maroc a mises en place pour diminuer ce fléau, voire l'arrêter. Merci. Ce qu'il faut noter, c'est que le tourisme est un secteur... employeur. C'est un secteur qui a une forte propensité à employer, à créer de l'emploi. Nous, maintenant, le tourisme marocain crée quelque chose comme 500 000 emplois. Et nous visons à créer beaucoup plus d'emplois dans l'avenir. Quand vous faites un hôtel avec un investissement d'1 milliard de dirhams, vous créez quelque chose comme 500 emplois directs et autant en termes d'emplois indirects, si ce n'est plus. Si vous faites 1 milliard de dirhams et vous l'investissez dans la technologie de pointe, qui est très importante également, vous allez créer quelque chose comme 30 à 50 emplois. C'est très important, si on veut créer de l'emploi, c'est important d'aller vers l'économie des services. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est investissement en technologie de pointe et tout ce qui est technologique, c'est très important. Mais je crois que les services, le tourisme, il est vraiment créateur d'emplois. Nous avons créé l'année dernière, au niveau du tourisme, 20 000 emplois. Donc chaque année, chaque fois qu'on construit un hôtel, on crée de l'emploi. Chaque fois qu'on fait un restaurant, on crée de l'emploi. Chaque fois qu'on donne une agence de voyage, je signe presque quotidiennement des licences, des agences de voyage, je crée 5 emplois par jour. Donc c'est ça la création de l'emploi, c'est la petite entreprise, c'est le... Mais également, nous encourageons également tout ce qui est entrepreneuriat. Nous avons mis en place un fonds pour encourager la petite et moyenne entreprise, la concurrence, la compétitivité. Je suis en train de réfléchir à mettre également en place un fonds pour encourager la toute petite entreprise, l'entrepreneuriat. Comme ça, les jeunes comme vous, comme d'autres qui sont des lauréats des écoles, que ce soit en tourisme ou ailleurs, puissent également créer leur entreprise. C'est une création de l'emploi. Pour ce qui est des flux de cerveau, je crois au Maroc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas aller récupérer les cerveaux qui ont fui le pays, mais ce qu'il faut faire, et c'est un travail qui est fait par l'Académie, je crois, des sciences, également par le ministère chargé des immigrés, c'est de voir quelles sont ces compétences, là où elles existent, et comment elles peuvent servir le pays et travailler là où elles sont, avec les universités, avec les incubateurs, avec dans la recherche et développement, pour la création de richesses, pour également la création d'investissements. Donc il faut inventorier tous les Marocains qui sont là, qui sont dans des universités, des centres de recherche, dans des entreprises privées, voir là où ils sont, et tisser des partenariats avec eux, comme ça ils peuvent travailler là où ils sont avec le Maroc, au lieu de chercher à les rapatrier. Donc là, on va bien sûr profiter bien de leur savoir-faire. Ils vont être nos ambassadeurs dans ces genres d'universités et d'instituts, et on peut tisser des relations, ils peuvent être bénéfiques pour des institutions comme celle-là et pour d'autres. Donc je crois que le flux du cerveau, c'est une fatalité pour quelques pays, mais il faut également le rendre une opportunité pour le développement et pour également la recherche de compétences et tisser des partenariats avec d'autres pays. Bonsoir, monsieur le ministre.
Donc je suis d'accord avec vous que politique... maintenant je vous lis deuxième année Sciences Po. Je suis d'accord avec vous que politique va avec pragmatisme. Merci. Et donc placer donner un raisonnement logique. Alors je parle de financement, vu que le gouvernement ne veut pas agrandir ses charges et augmenter son déficit en balance, donc la place est laissée au privé. Et l'initiative de créer des PME est louable, mais ensuite pour investir en Afrique, il faut des entreprises un peu plus grandes en termes de taille et un peu plus solides pour pouvoir investir. Alors que préconisez-vous pour agrandir les tailles des PME et véritablement doper les investissements en Afrique? Il y a des PME qui sont très, très bien implantées en Afrique. Mais je crois qu'il y a un défi énorme qui se pose pour les PME au Maroc, c'est un peu la concurrence. C'est comment se positionner à l'international et être concurrentiel, être compétitif, ça c'est important. Surtout intégrer toute la nouvelle technologie, également les nouvelles méthodes d'entrepreneuriat et de management, c'est très important pour les... Et la deuxième des choses, c'est tout ce qui est accès au financement. Je crois que le grand... défi des petites entreprises, des PME au Maroc, c'est l'accès au financement. Je crois que c'est quelque chose sur laquelle le gouvernement est en train de travailler. Les banques sont sensibles à ce genre de choses. Et je crois que l'accès au financement va permettre aux PME marocaines d'être beaucoup plus robustes et également investir l'Afrique. Parce que si vous avez des PME qui ont des problèmes de trésorerie, qui ont des problèmes de cash flow, qui ont des problèmes de financement, elles ne peuvent pas être également des PME exportatrices de services, exportatrices également de capital. Je m'appelle Nassef Bouri, je suis directeur académique de l'Araba Business School ici à Lyon. J'ai une relation assez particulière avec le tourisme parce que je suis diplômé de l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger. Il y a juste quelques, je ne dirais pas quand, mais il y a juste quelques années. Je voudrais vous poser une question à propos du fonds de développement pour le tourisme. C'est un fonds assez récent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des objectifs du fonds et comment peut-être nos étudiants pourraient en profiter? La première des choses, c'est accompagner la vision 2020 en matière d'attraction d'investissement. Et également, c'est un levier pour la mise en place d'autres fonds avec des fonds souverains, surtout au niveau du Golfe. Ce qu'on a fait, par exemple, c'est avec le fonds souverain koweïtien et le fonds souverain émirati et qatariote et marocain, et maintenant même le fonds souverain saoudi. On a créé un fonds qui s'appelle Wissal, et ce fonds Wissal va porter le développement de pas mal de projets au niveau du Maroc en matière de tourisme. Mais ce n'est pas juste pour le tourisme, c'est un véhicule important qui va nous permettre de créer un modèle, et ce modèle peut être également se répercuter sur d'autres domaines tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, l'énergie traditionnelle, l'eau, etc., etc. Donc d'autres secteurs peuvent également. C'est pour cela qu'on a signé un travail avec la Banque mondiale pour étudier ce modèle-là qui est celui de Wissal et voir comment le répercuter ici au niveau du Maroc par rapport à d'autres secteurs et ailleurs en Afrique en l'adoptant dans d'autres pays. C'est quoi? C'est qu'un pays comme le Maroc vient et crée un fonds qui est un fonds souverain, c'est-à-dire un fonds que l'État contrôle, et ce fonds-là permet d'attirer d'autres fonds. Donc c'est une gage d'assurance, une garantie de la part d'un État pour attirer d'autres fonds qui existent dans d'autres États. Parce que les autres États ne veulent pas parler avec, avec les budgets gouvernementaux. Ils veulent avoir un fonds souverain pour avoir un vis-à-vis qui est également souverain. Parce que la question du fonds souverain existe au Maroc à partir du fonds Hassan II, qui est un fonds souverain, mais les États comme les Émirats arabes unis, comme le Koweït, comme l'Arabie saoudite, ils ont des fonds souverains qui sont très importants. Capacité de financement importante, mais qui n'est pas budgétisée dans l'action gouvernementale. Donc c'est pour cela qu'on a créé ce véhicule-là, pour attirer ces fonds-là et créer des véhicules pour financer des secteurs bien déterminés. Et le tourisme a eu la chance d'être le premier, et c'est bien qu'on est en train d'expérimenter avec ce genre de... Alors, est-ce que les individus vont bénéficier de ce fonds? Je ne le crois pas. Mais il y a des fonds qu'on est en train de créer pour, si vous êtes dans le tourisme ou dans n'importe quel secteur,
Nous avons signé avec l'Agence nationale de promotion des petites et moyennes entreprises un fonds de 420 millions de dirhams et ce fonds-là permet aux entreprises d'accroître leur compétitivité. Donc si vous avez une petite entreprise ou une moyenne entreprise, vous voulez investir, que ce soit dans le tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est plan stratégique de développement, tout ce qui est formation, etc., vous pouvez bénéficier de ce plan-là. Ils ont, je crois, Moussana Dassiaham, il y a également d'autres véhicules qui existent dans ce sens-là. Et nous sommes en train de voir quelle est la possibilité de créer des fonds pour insuffler un esprit d'entrepreneuriat chez pas mal des gens qui sont intéressés par le tourisme. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'entrepreneuriat au niveau de l'Afrique et de l'Asie et l'Amérique latine. Et c'est quelque chose... Par exemple, on a fait une formation sur un bon projet qui s'appelle Entrepreneurship Development Program, qu'on a fait au niveau de MSI à Washington. Et puis, on l'a développé dans 5 langues à travers le monde et on a fait des formations. Au niveau du Brésil, on a formé quelque chose comme 65 000 entrepreneurs et on a fait une étude statistique. On a trouvé que ceux qu'on a formés, la plupart d'eux qui sont déjà installés en tant qu'entreprise, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 2/3 après 6 mois de la formation. Donc c'est un gage de succès très important. Moi, ça, je veux le faire. On va essayer de peut-être l'IER pourrait être intéressé par ce genre de choses et on peut travailler ensemble dans ce sens-là. Je vous remercie.